créer pas la veine, non. Comment créer de la richesse personnelle au quotidien nécessite beaucoup d'efforts et de dévouement. Ça n'est pas les français. Nous allons aller. On a le numéro 1 directement. Première loi, c'est qui ça? Il dit la loi numéro 1, c'est qui ça? La loi de l'investissement en soi. Ok, phrase là dit qui ça? Juste pour une phrase là-dedans, nous prenons et puis une synthèse là-dedans. Il dit qui ça? Votre première responsabilité en matière de création de richesse personnelle est de faire un investissement en vous-même. Ok? Donc, ça c'est le premier bagage que vous donc, monde qui d'accord pour yo faire investissement, pour yo faire création de richesse, yo mande faut investir dans tête. OK? Donc investissement dans tête comme moi dit moi m'pa prendre place professeur, m'pa prendre place parce que c'est pas job pam. Donc c'est juste nous voulons faire comparaison. OK? Donc faut investir dans tête. Donc investir dans tête pas dans rada soulier seulement. Faut qu'a faire tête ou cadeau quelques livres, faut aller dans séminaire, faut attendre quelques bagages qui ca utile pour nourrir l'esprit. Donc nous pas qu'à chita manger brusellement et puis ça nous connaît nous finir avec. Donc faut sous besoin donc grandit plus ça veut dire sous besoin parmi dans 10 15 ans millionnaire compter mado faut investir dans tête ça pas quoi m'a fait on va aller dans numéro 2. OK, numéro 2 a dit qui ça bien rapide. Nous avons besoin nous rapide avec. OK, la loi numéro 2 en nous les dit qui ça, c'est la loi de la planification et de la discipline. Qui ça dit qui ça? Une planification et une discipline financière peuvent vous aider à commencer à accumuler. Bon, ça, moi, je parlais sous lui déjà. Donc, si on n'a pas de discipline dans la vie, on ne peut pas nulle part. Aussi simple que cela. Donc, il faut planifier parce que tout ça ouvre dans la vie. Moi, je dis, succès n'est pas un cadeau. Et c'est ça qu'il a dit dans l'université autour. Et c'est ce qu'il a dit là, sous cher. Donc, c'est pas un cadeau préparé pour lui. Il faut planifier le succès. Donc, au besoin de mariage réussi, il faut préparer le mariage là. Ou préparer 20 ans, 25 ans, 30 ans de cela. OK? Donc, c'est prier bon Dieu pour tomber dans même bon monde, ça seulement, mais il faut préparer. Donc, c'est pas cérémonie, on prépare. Par exemple, il y a une cérémonie, il prépare. Il prend plus le temps pour préparer cérémonie, mais comment pour bagaille sortir? Non, c'est pas cérémonie avec mariage là. Donc, cérémonie, on fait pour la galerie, on fait pour le peuple. OK? Donc, si pas un peuple, si pas gagné, avant de venir là, il y a et puis il finit aller. Donc, c'est vivre là, c'est ça, on va le vivre dans le futur là, c'est nous préparer. Numéro 3, on va aller là. Il dit bien rapide, qui ça? Numéro 3, c'est la loi de la part. Yeah, tout c'est dans la Bible là, oui, ok? Donc, est-ce que la Bible n'a pas parlé de la patience? Amen. Pas la même. Est-ce que la Bible n'a pas parlé de la patience? D'ailleurs, la patience, on fout de l'esprit que lié. Ok, on va aller là. Les dit qui ça? Prendre le temps de rechercher les bonnes opportunités, d'apprendre à en tirer le meilleur parti, puis de faire preuve de patience pour que les résultats se produisent lentement et absolument. Donc, nous connaissons le proverbe ça avec la foi, n'a pas été fou? N'a pas été fou. Mais on a le numéro 4. Donc, sous besoin, au café au baron, non, admis. Non, il n'y a pas de problème avec ça. La loi de l'entrepreneuriat, pas naria, non. Naria, il dit, mais c'est neuria. Ok, il dit neuria, mais c'est pas naria. Naria, il dit, on échange. Donc, on est avec, on échange tout le bagage. C'est la loi de l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça, il dit, entrepreneurial, etc. Donc, on l'a changé, mais sous dit naria tout, pas péché, mais c'est neuria, c'est juste, il dit. On nous dit qui ça? La loi de l'entrepreneuriat, si ça le dit, la vraie percée durable dans ce monde est pas la veine. Non, libre me tendez que vous rappelez. Il y a un monde qui veut percer dans le monde là, c'est pas le faire 8 heures pour 4 heures. Ok? 8 heures pour 5 heures. Ok? Il y a un monde pour lui. Mais si un monde veut réussir dans la vie là, c'est dans brasser. On nous dit avec brasser. Yeah, succès la vie, c'est dans qui ça lié? Dans le bras, c'est lié là. Achita, ton patron là. Donc, comme vous avez fait, non moi, comme vous avez fait, peut-être, bon, dit, ou prend temps pour faire, ou bien, ça me décarre là. Comme en sort, comme vous, comment ça me dit, donc, vous avez ou non moi, ou capable de faire dans une fraction de seconde. Ok? Je vous dis encore, vous prenez des idées en sort, vous avez ou, pour manger chaque mois. Donc, vous êtes capable de faire li, donc, dans une fraction de seconde. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ont enseigné nous dans l'école, donc c'est français qui enseigne nous. Donc ça veut dire que c'est bureau, hein? Donc c'est ça qui intéresse nous, c'est cravate là, c'est costume là. Et c'est ça qui mettait nous dans la situation que nous y a là. D'après bon Dieu avec nous là. Yeah. Donc jeunesse, ça m'a parlé avec nous, même si nous parlons de l'école, dans l'université, investi. Donc c'est ça qui est important. Même si nous prenons un job, mais il faut nous avoir un bail parallèle parce que ça cap bail, c'est dans le monde et pas Haïti, dans le monde entier. Donc, c'est mon qui a fait la loi qu'on y a comment relé. Pas la veine, non. Comment y a relé? Donc, c'est entrepreneur, investisseur, donc businessman, que ce soit relé, manager, donc c'est le même qui a investi. Ok? Laisse ça, c'est vous qui décidez vacances ou c'est pas mon qui décide le beau. Je parle à l'église à matin. Est-ce que l'église a avait matin? Est-ce que l'église a avait? Hein? Yeah, c'est vous qui décidez vacances ou c'est vous qui décidez congé ou c'est vous qui décidez pas mon qui décide beau.
OK, pas de problème à 8h, 4h, 8h, 5h, non, parce que, donc, nous ne sommes pas qu'à faire même bagage, mais cependant, c'est moi, son esclavage moderne, gueule, ou son esclave moderne. Excusez-moi, Pilou, ou son esclave moderne, parce que, vous comprenez, ça me l'a dit à là, mais il faut que les gens boulent, il a fallu tout pour faire. Donc, ça, c'est important. Loi numéro 5, on en est là. Il dit qui ça? Il est rapide la loi. Des petits commencements. C'est sans pile, mon refusé, depuis mon apparaît, livré tout millionnaire. Et pas j'aime ça. Et pas j'aime ça. OK? La loi, donc la vie a son processus lié. Tout passe par processus. OK? Donc nous dit pas gain, pas existant encore après Adam et Ève, des générations spontanées. Ça veut dire mon qui tout crée grand monde. Donc tout passe par processus. Donc pour grandir dans la vie, il faut commencer par. Yeah, OK? Par des petits commencements. Donc c'est ça pour arriver. Il dit les entrepreneurs qui commencent à en aller là. Il y a qui commence avec un petit capital, réussissent parfois mieux que ceux qui commencent avec un capital élevé. Donc, tu ne dois pas négliger ou mépriser. Yeah, commencer en bas quand même. C'est ça fait, nous tapons la prière pour le monde. Nous te disons, qu'importe ça, on gagne, commence avec. Donc, si c'est mon bas, on veut commencer. Si c'est pistache, comment. Parce que les mappés, tant d'histoires, en pile, les gens disent là, qui mettent pays dans la situation. Gagner, c'est avec un mamie de beurre que tu commencé. Et gagner tout, donc qui c'est grand couturier, etc. Donc tu commences avec une petite machine à coudre, et puis à coudre, bon bout de neige là. Donc quand c'est là, tu es pissé, tu comprends ça, tu es dit là, sous bicentenaire, sans relever le main, tu es le bout de mer, et là, tu commences à coudre. Et puis après ça, là, tu as une vision, et puis tu es parti. Donc pas négliger si ça m'en bat, si ça de l'eau qui a commencé. Donc quand tu as commencé à pistache, n'importe qui bagaille. Donc depuis, mais on bénit tout son main. Béni. Donc, bon Dieu, mais là, nous commençons. Elle a une historicité, une histoire, un commencement, et puis, donc, un moyen pour nous bénir l'Éternel. En nous, allez là. Numéro 6, en allez. Il dit qui loi? Plus fort avec moi, la loi du courage. En allez là. Il dit qui ça, 3, 4? Ne crée de la richesse s'il n'a pas le courage d'avancer. Ta volonté à risquer l'échec et la déception est une mesure. Yeah. Pour réussir dans la vie, il faut gagner le courage. Si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas réussir parce que il faut gagner détermination. Donc, déception est en pile. Donc, surprise est en pile. Donc, imprévu est en pile. Donc, ça qui peut aller dans la vie, même si vous échouez en première fois, vous échouez en deuxième fois, à la manière de Thomas Edison. Donc, échec la vie, tourne en éducat. Il faut qu'on ait mieux maîtrisé. Est-ce que ça va, hein? Donc, c'est ça qui a dit qui pas dépendamment avec ça qui a dit sous chère, qui a dit dans la Bible. Numéro 7, on en allait. Il dit qui ça, on allait là. Il dit loi numéro 7, là, c'est la loi du risque. Yeah. Le risque est l'élément maître de la prospérité. Plus tu risques, plus ton gain est gros et plus tu t'approches de la prospérité. Yeah. Il y a un monde qui est dans le business, lui-même, il n'a pas peur de foncer. Ça veut dire les fonceurs n'ont pas peur de prendre des risques. Pour qui ça? Parce que c'est ça, le business. Mais on connaît que son bail va jouer, on va gagner, on va perdre. Mais quand même, c'est sous ça le business c'est comme ça fonctionne. Donc, bah, la vie, la marchandise la vie là, on investit. Il a donné. Et puis, les cavants. Donc, c'est on risque, c'est ça fait demander. Pour nous toujours appeler la prière pour bon Dieu capable d'aider nous pour bagailler bien fait. Ok, on nous allait, loi numéro 7. Loi numéro 8, pardon, on allait là. Un peu plus fort, la loi de qui ça? La loi de la persistance. Sa loi persistance l'a dit. Si tu réussiras certainement, pour réussir et atteindre tes objectifs, tu dois être persistant, tenace. Pour réussir dans la vie, aliment fait qui ça fort tenace, fort très tenace, donc en fort persistant et face à l'adversité. Ok? Donc ça y a venu, adversité a venu, problème a venu, mais ça qui est important, au besoin gain objectif, donc au besoin qu'on vise, donc au braler. Et puis qu'importe son joint, on dit que boulette c'est poussière n'a pas avancé. N'a pas avancé. Loi numéro 8, c'est qui s'allie? Ah, est-ce que nous pas trouvé ça dernièrement? Pas la même 3 4, il dit qui ça la loi? Yeah, de temps, il dit qui ça? Commence quelque part et utilise ton temps à bon escient. Et puis le temps que tu gaspilles, yeah, c'est vieux ou abusé, mais moi-même, moi, mettez gaspiller ou gaspiller vieux. Ou gaspiller ton, gaspiller la vie.
OK, donc gagner des rongeurs, des mangeurs du temps. Donc ça il faut que nous combattions parce que problème nan gagne monde qui pas grand quelque côté pour aller dans la vie. Donc il pas visé rien. Donc travail c'est prendre ou manger temps. Les camé au chita là pour 4 heures de temps, l'a déposé sous 3 heures de temps l'a déposé parce que lui-même il aura nulle part. Lever journée lui-même il pas grand rien pour le faire. Donc c'est juste marcher ou bien reler monde dans téléphone. Et comment va ça là encore là. Fait plan et puis là n'importe quel temps la parler, pas de problème du tout. Ou bien si nous quitter ces téléphones n'a pas manger temps nous, bon ça c'est votre business parce que nous connaît faut que nous gérer la vie nous. Donc il y a un monde qui gagne une vision dans la vie, elle connaît faut qu'il gagne discipline. Donc discipline c'est le temps. Ici nous gaspillons temps mais aux États-Unis le temps c'est de l'argent, OK? Donc une heure de temps sont pas qu'être l'argent lié pour un certain monde qui travaille, OK? Donc on pourra louer un physiothérapeute là donc là bon une heure de temps pour $600. Okay. Ou bien les jours, $50 américains, donc il y a des médecins ou pour le consulter, il n'y a pas même fait une temps. OK? Donc on y a pipiti dans la classe moyenne là, oui, et pas pire ou non, c'est bon, c'est $500-$600 dans mi-temps là, oui, bon, il y a quelque côté, bon l'hôpital général là, il y a quelques médecins à $400, mais c'est $500-$600, donc là, on va le faire consultation là, donc c'est $600 haïtien on paye. OK? Donc il y a qui plus oui, moi dit dans petite classe là. Donc, c'est $600 ici, on va payer, on n'a pas même fait. Peut-être en une heure de temps, mais c'est connaissance qu'on va payer. Donc, c'est l'heure. On nous dit, il y a 5 malades là, ou bien 5 patients, bah, on me dit comme ça, venez à $600. Fait combien là? Hein? 5 fois 6, fait 30, ça veut dire, il y a un gain. Yeah, pour 2 heures de temps là, en 3 heures de temps, il y a un gain $3,000 caché à Cap Daniel. Yeah, pas un problème. C'est tant de la bureau là, c'est tant de libre. Est-ce que nous là? Est-ce que l'église a là matin? Est-ce que l'église a là? Mais c'est tant l'effort cadeau, pas de voler étudier, pas de voler l'université. T'es chital, t'es payé temps, et puis qu'on y a là, on paye le temps. Yeah. Et puis, ça peut dépendre de gens l'organiser ville là. Donc, on est capable de sortir quand on met 5 pipiti là, on paye dans n'importe 1000 et quelques dollars. Ok, on fait une consultation, yeah. Et puis l'analyse, ça c'est clair. Bon, on analyse, bon, on lit plus. Et puis après ça, tout gagne médicament là. Et parfois, il gagne tout là, il gagne. Donc, mon cap fait analyse pour vous là. Il y a un laborantin ou laborantine ni là. Il y a un temps venu. Donc, parce qu'en principe, il n'y a pas qu'à prescrire comme ça sans le balcon de organes. OK? Donc, après ça, là, on va faire examen yo, comme là. Et puis après ça, médicaments encore, il y a là. Donc, pipiti, vous comprenez n'importe 1000, $2,000, $3,000, parfois paix, pour chita, pour ton honneur qui prête autant. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Yeah, le temps, c'est de l'argent. Okay? Donc tout en achetant à gaspiller, achetant à parler, on peut le bagarre, rago, bagarre qui va être loin. Donc si nous investissons, si nous faisons bagarre, donc l'ica est utile. Parce que moi dis, 30 minutes coûte un paquet de l'argent. Ok? Donc ça, son paquet de bagarre lié. Ok? Donc ça veut dire que mes gestions du temps encore, living joint nous. Donc moi je souhaite faire bonne gestion temps nous parce que si nous pas faire bien aimé, donc font bagaille, fait tête ou cadeau bagaille, investi non, investi pour tête ou d'abord, fait tête ou cadeau bagaille. Sou gain l'heure qui court plutôt cherchons un coup aller pour combler, mais pas chita, on comprend ça fait pas reçu ou bien cherchons bagaille pour combler vide là parce que depuis temps aller donc on a pu abuser la vie. OK, living faut pas reçu, ou vinn pas performant. OK, dixième et finalement, il dit qui ça? La loi. Bon, moi même c'est là mon petit Jean m'a dit est-ce que c'est chrétien ou bien pas bon. Parce que mais au fond bon Dieu dans là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bon, mais au fond bon Dieu dans là. Bon, depuis au fond bon Dieu dans là, c'est à faire pas nous lire. On nous garder, on nous lire ensemble. OK, ça, c'est tellement intéressant. Dans mon mettre force de frappe pour amener nous qui sont nés là, attendez vraiment. Nous comprenons bien ce qu'il dit là. On nous garde. Il dit qui ça? La loi de l'assistance, c'est la dernière loi. Alors, moi, je prends, il y a plusieurs, mais je prends 10, sélectionner 10. Il dit premièrement, le Seigneur te donnera des ressources pour la création. Qui est-ce qui a des ressources là? Et c'est ça qu'on a dit là, oui, comment pour jouer une ressource là, c'est dans le pays d'Imna. C'est ça qu'on a dit là, nous ne disons pas dépendamment. Donc, mon kabor, ok, semeur là, kabay semence là, comment vous voulez? Oui, mon kabay semence là pour semer, Paul dit, qui est? C'est bon Dieu. Donc, il dit normalement que la baye, donc ressource pour création richesse là, et puis qui ça? La baye, lorsque vous voyez qui ça? Qu'il verra tes actes de foi, et d'amour envers le royaume.
Tu dois apprendre comment semer. Ok, donc ça m'a content de ce monsieur, je ne sais pas si le chrétien, je ne sais pas. Bon, c'est difficile, bon, je ne sais pas. Donc c'est juste pour montrer ça qu'a dit là. Donc c'est même bagaille qu'a répété dans, à l'université un peu partout. Donc la loi du succès. Donc c'est presque même bagaille qui ressemble. Ok, merci. Et puis nous mettre fermé. Donc, moi qui est intéressé, nous mettre Mandelé à Banoul parce que bon, ça n'est pas domaine moi, juste. Mandé, vous voyez par WhatsApp pour vous, voyez par ceci, vous voyez sous un email, mandé administration ou bien chef Ara. La voile pour ou bien ni sous yo et puis comme ça capable utile ou un peu de choses parce que nous connaissons chiffre pas domaine pas. OK, donc nous t'ai dit numéro 1, loi numéro 1. On va regarder ces deux lois qui vraiment indispensables et dans la loi de création de richesse sur le plan spirituel. Donc nous bon, donc première loi nous t'ai dit c'est qui ça, la loi de non, on n'a pas les gens qui viennent boire ici. Donc, on a nous retourner dans ce qui paie la dîme, créer de la loi de la richesse. Numéro 1, c'est qui ça nous dit, c'est la loi? La loi de l'humilité. Comme moi, je me parle, même plus parler pour jeunesse ça. Donc, moi, je me parle là, bam vibration, hein, fait m'entendre nous, parce que c'est nous même qui avons des futurs millionnaires. Il y a des gens qui viennent acheter, qui croient lui-même, qui finissent la mort là-dedans. Moi, je ne viens pas parler pour mon capitaine la mort. Je viens parler pour les gens qui tenacent, les gens qui veulent réussir dans la vie, qui veulent les aller s'il y a petit, les petits qui ont parlé de lui, pour les petits, pas la veine, pour les petits, yes, c'était non. Comme moi, je dis, non, maman, pas bien me sortir dans la bouche, heureusement pour lui. Donc, deuxième petite fille, pour les non. Donc, drôle coïncidence, troisième frère, premier petit, pour les non, maman. Ok? Donc, moi, je suis en bail non déjà. Donc, deuxième petite fille, il prête prénom maman. Donc, et puis, frère, donc, premier petit lit, il bat le nom maman encore. Donc, ça veut dire la cité double fois. Pour qui ça, nous remet maman, nous citer nos maman, nous petit nous pour nos maman. Pour qui ça? Hein? Non, parce qu'elle fait un bagage, il impacte nous, il bat nous, tout ça, nous bat nous. Et mais s'il pas de faire un pour nous? Pas la même, non, mais s'il pas de faire un pour nous, il est là, la rue. Moi-même, d'avoir le petit, moi, pour nos mamans, jamais de la vie. Comment d'avoir le pour nos mamans? C'est un maman louga ou me dégainer, un maman cherché. Donc, on a là pour me faire petit, moi, lever, nos mamans cherché, louga ou ça. Sans vie? Non, jamais de la vie. Donc, ça veut dire son nom qu'a toujours cité, qui permet ce que lié avec le Seigneur, paix à son âme, mais non, l'a toujours cité, parce que petit, moi, deuxième petit, moi, pour nos mamans. Frère, premier petit pâle pour tes prénoms, maman. Donc, ça veut dire pour tes noms grands. Okay? Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, donc, il t'est investi, donc, il travaille, il font impact, il traverse nous, donc, il occupe nous, qu'on y a là, c'est normal. Même Jean-Bible a dit la mémoire du juste Dieu de génération en génération. Donc, ça veut dire que, même si ce n'est pas ta peau, mais on a travaillé, on a un petit pour quitter ton héritage. Donc, l'on mourit pour tout le monde, pas si t'es normal. Ou t'es capable de gagner pour vous, ou t'es capable de quitter, mais si mon a dit, pas maman, papa, m'a quitté valeur pour nous. Est-ce que ça va? Vous t'es mettez nous l'école pour nous t'es capable à recevoir une bonne éducation, et puis ça aide nous dans la vie. Ok? Vous tracez chemin en bas nous. Maman, na, papa, nous t'es là pour nous. Ça veut dire que, donc, en reconnaissance, donc, c'est ça lié. Donc, l'on bien travaille dans la vie, c'est ça fait chita là, non mais ça y est dormi. Gardez, me couper toute tête et puis saouler, puis pas prendre rien pour le regarder pour eux. Petit tout, à pas le mal à moun. Chose qui pire tout, encore, madame, moi, mon petit neveu, li, bon, qui n'a pas fait Haïti, donc, si mon yok fait là-bas, donc, c'est pas comme ça. Li marié en femme, c'est japonaise que lié. Et si mon yok, donc, yok gen sans haïtien en venue, mais yok gen sans japonais, yok gen sans haïtien. Drôle de choses, li tellement aimé. Grand-père, lui, qui c'est papa, madame, moi, premier petit garçon, c'est non grand-père Libali. Avec dit, l'opral gade nek sa, ouais, son japonais, lui, mon pral saisi pour elle gen non, ou elle gen non haïtien ou non français. Encore pour qui sa grand-père traverse, lui. Même si grand-père pas de fait un yen pour lui, apparemment, parce que était petit, après sa grand-père vient mourir, mais lui tendait parler de lui. Li oué œuvre li, et puis li dit, petit pal la li même. C'est non grand-père pour le voter. Est-ce que ça va? Amen. Même si madame li c'est japonaise, mais elle pas qu'à empêcher le petit li non grand-père.
c'est pour dire dans la vie l'offre un bagage l'offre qui ton héritage donc mon a toujours parlé de où donc grand-père mouri des années de cela mais on l'a cité à travers petit oui arrière petit fils là est-ce que ça va hein l'église applaudis le Seigneur de gloire applaudis le Seigneur plus fort applaudis bon Dieu yes on applaudit plus fort nous capables applaudir ça plus fort alléluia on nous dit merci Seigneur. Donc moi t'as souhaité non pas chita là pour chita mais nous apprendre quelque chose. Donc ça c'est une première loi qui aide dans la vie. Elle n'est pas aide seulement dans la création de richesse, mais son loi qui ouvre porte by tout une base, la loi de l'humilité. Ok? Donc en ça veut dire que et nous allons finir avec une loi encore qui synonyme avec lui, mais qui pas qui différent. Donc deuxième loi nous te dit c'est quelle loi? C'est la loi des semailles et de la moi. Il y a donc ce maillot ou bien ce mancio, bon Dieu baillot, mais si nous pas semé ou bien, nous pas qu'à moissonner. Très bien. Troisième loi, nous te dit ce qui s'aldeye. Un peu plus fort. Troisième loi, c'est loi de priorisation. Donc c'est lui-même qui crée richesse. Ok, ça veut dire que qui sort by priorité. Donc ça a parlé temps, parlé de toute bagaille. Donc sur le plan académique, il a dit mais nous avons ressemblance. Donc ça veut dire que lui parlait de priorisation. Qui ça qui a priorité pour nous dans la vie? Et si ça a une priorité pour dans la vie, on suppose mettre la première place. Okay? Donc ça qui sa priorité? Donc c'est question qui sa priorité dans la vie, c'est qui ça lié. OK? Donc ça lié important. Donc nous te dit en quatrième loi, c'était qui ça? C'est loi de l'émulation. Donc nous gain pour nous retourner sur lui encore qui est vraiment intéressant. Et cinquième loi nous te parler, c'est la loi des saisons. Et sixième loi, nous te parlé dimanche, c'est la loi d'une attitude volontaire. Donc, très bien. Donc, nous avons juste un petit passé sous lit rapidement et puis pour nous prendre la dernière loi avec vous pour nous capables de terminer. Donc, nous te dit encore que dimanche dernier, donc, les chrétiens qui paient la dîme comprennent la loi d'une attitude volontaire qui crée de la richesse. Nous te dit normalement que une attitude d'une personne ou bien l'attitude d'une personne détermine son altitude. On nous dit deux bagailles, manière d'être tout. Les dit dans qui hauteur, dans qui niveau pour aller. Donc, personne, comme moi j'ai dit dimanche dernier, pas grand patron, pas grand pasteur, pas grand personne dans la vie qui a choisi de travailler avec un monde qui est mal élevé, qui est bête, qui est rude, et un monde qui est beau sale, et un monde qui paraît, mais ça l'a fait, un monde qui n'est pas osseux, un monde qui est anti-gens, pas intelligent, donc pas grand patron, pas grand dirigeant, pas grand monde qui a fait un business, et puis son monde qui est anti-gens, grand pile maladresse que les choisit pour business. OK. Donc nous dit les on n'a pas une attitude volontaire là. Donc ça veut dire au monde, nous dit attitude volontaire là, ça veut dire son monde qui flexible, qui est un peu malléable. Nous dit les on est flexible et un peu malléable dans la vie, c'est la même chose, mais nous dit ça y aller au-delà de la compétence. Donc c'est ça que fait la fois dernière tu dit gagner. Il y a une différence entre compétence et qualification. OK. On a qualifié dans le domaine, il pas gain compétence, il pas gain compétence, tout le pas qualifié. OK. Donc qualification hein, c'est qui ça? C'est ça va prendre l'école là. OK, me fait 4 ans, 5 ans l'école. Donc m'apprend l'aime sortir me sortir un diplôme. J'ai dit que me qualifier. Mes compétences là et ce qui j'aime appréhender. OK? Donc moi fait 14 ans l'école et puis l'aime sortir l'école là, me tellement poulé. OK, l'école là, moi prend diplôme, moi gardien, moi qualifié. Et moi qualifié moi. Yeah, moi pas compétent parce que ça moi poulé pour yo tout le temps, les vinn ba me faire bac à fin. Ça dit que me qualifier parce que pas la même non, me qualifier parce que montrer tout le monde diplôme moins. Diplôme d'études moins. Mon coquel la caille moins. Donc je dis ah oui, le qualifier parce que les ça veut dire que les passer toute étape yo. Donc qualification c'est étape yo que me respecter que me passer. Mais compétence c'est le savoir. Oui, c'est le savoir faire. OK. Comme ça tout le monde qui est compétent dans le domaine mais pas quali. Yeah. Ça veut dire pas ta chita à l'école pour te prendre bagaille mais il est tellement comme ça l'a fait, tellement bon. Bon moi même si mon choix m'a fait, m'a prend un choix un monde qui compétent que qualifié. M'a prend un monde qui compétent même s'il pas ta qualifié dans le domaine. Ça veut dire pas recevoir un diplôme la donne mais il tellement bon la donne au bagage on va dire. On va dire c'est pour pas. Donc si m'a fait un choix comme mon patron. Donc m'a prend un choix un monde qui compétent. OK? Donc aux États-Unis en Haïti mais aux États-Unis au plus dérange avec ça.
Et ça fait tout nèg qui sorti à l'université elle fait bénévolat parce que ou fini graduer 5 ans fin pour un master là après ça mando 10 ans d'expérience 5 ans d'expérience on mando Dieu mais côté pour joindre 5 ans ou fait sorti à l'université côté pour joindre 5 ans d'expérience le monde fait tout bagarre pour nous yo dou sou pas l'école ou passer si sou passer si mais l'au final ou fait graduer mando 5 ans compétences pour travail la côté pas venir et ça fait grand pis jeune pendant et à l'université yo vle pousser dans ça et elle fait bénévolat. Ça veut dire bay service gratuit, y aller dans tout bagage, faire dans domaine yo sans l'argent. Et puis après ça leur mandé yo compétence blanc remet ça en pile, les moun a fait bénévolat et puis li gon moyen pour li capable on ti gens embaucher moun ça. Donc li important pour nous comprendre que pas gen moun dans monde ça là, donc qui gen entreprise que c'est pasteur, pas gen pasteur qui ta remet gon fidèle qui boussal, un fidèle qui rude, un fidèle qui mal élevé, un fidèle qui tout bagage. Donc pas gen plaisir dans ça. Donc li ka support au bon moment après ça il dit bon. Et tu sais ma sœur, l'amour de Christ, donc nous sommes capables d'aller n'importe côté, nous avons servi Christ, donc on va, et ça ne peut pas marcher. Donc ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Donc on met choisons le pasteur. Ok, ça ne peut pas marcher. Oui, pasteur, moi mais l'église là, moi mon Dieu, c'est la bon Dieu mettez, c'est la bonne, c'est la, oui, nous allons comprendre ça, moi. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que pas de monde qui a plaisir, pour le travail avec un monde qui boussal, un monde qui mal élevé, un monde qui impoli, un monde qui ont été entêté volontaire et ça a dans tête il a ça fin décidé à donc c'est fini donc il est pas flexible, il est pas malléable et puis qui vient contrôler son territoire. Bah quoi là, il y a un monde qui a plaisir avec ça, pas vrai? Pas là avec nous, est-ce qu'il y a un monde qui a plaisir avec ça? Non, pas qu'un plaisir avec ça. Donc ça, l'important nous dit attitude au monde, nous t'ai dit dimanche dernier, il déterminer dans qui hauteur que vous aller dans la vie. Ok, attitude ou li déterminé altitude. Ok, donc na ki hauteur ou pral lever. Donc l'on moun vise ou dans la vie, nous dit premier bagage moun a besoin faire, c'est soyez i. Yeah, c'est soyez image. Bon image ou dans la vie, bon image ou bay moun. Donc automatiquement ou bloquer tout bagay. Ok, ou bloquer tout bagay, mais qui idée ou gen? D'ailleurs, parler de ou, mais qui idée ou gen? Mais sa ou vann. Mais sa ou bay. Ok? Donc tout le monde a parlé de jeune fille ça bouche porte pour vous et si on monde d'avle venir causer avec etc., cetera bon paquet monde qui besoin peut-être monde marié avec vous, mais c'est bloqué tête yo dans quel sens parce que image nous voyez aller à est très 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 négative. Donc est très négative. Donc ça est important. Donc nous dit pour se faire donc l'air ou flexible, l'air ou son monde qui a volontaire non sens pas dans le sens négatif, ça veut dire que on attitude volontaire dans le sens que côté ou capable un petit genre flexible malléable sous des bagailles qui capable aider ou dans la vie et ben on finit par trouver le chemin et ben nous te dit c'est même gens tout avec Adim donc en fort moins capable gagner une attitude envers Dieu moi connais que c'est lui même qui bat nous toutes bagailles. Et pas capable à faire Dieu à bon Dieu à faire qui ça à bon Dieu faire intelligent foncer de bagaille et permettre que penser que me capable aller plus loin que ça non OK donc attitude moi j'aime servir bon Dieu j'aime adorer bon Dieu j'aime comprendre bon Dieu dans niveau l'argent j'aime bagaille yo et il dit maintenant qui dimension me braler.